down with guys like me till sundown when I come through, I need. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Salut la team, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter Rogue One Mystery. Alors je n'ai pas joué depuis les tournages de l'autre fois, depuis que la vidéo est sortie. Alors. livres, j'en ai que 5. Alors, t'attendras, pépère. Affrontez vos camarades grâce au nouveau club des duels d'Halloween. Chaque duel nécessite... Oh, c'est la seule commune de Serpentard derrière. De recherche... Club des duels, bah super. Oui, il me semble que le sort, je l'avais déjà vu. Le sort, je crois que c'est... Ouais, voilà, c'est celui-là. Qui s'est ajouté cette année comme le sort pour les balais de la quête que je n'ai pas fait avec lui. Donc, on va faire un petit duel. Après, on va faire... Putain, ils l'ont bien décoré en plus, hein, ces cons-là. Et ce qu'on va faire en plus, c'est... Troisième année, ça va. Et ben super, ça commence déjà bien. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est le dernier truc du chapitre 14. Et après on va faire la quête sur Tonks. Alors. Alors le mec, là je sens qu'il va aller sur de la... agressif, donc je sens. Voilà. Un carcet. Allez, vous semblez une gueule, ouais. Alors, la vidéo, peut-être qu'elle sera... en deux parties, hein. Oh putain, merde, je voulais faire sournoiserie en plus. Ok. Mais je vais perdre, hein. Quand ta troisième année, qui a déjà vu ça? Putain, mais c'est pas possible! Voilà, là je préfère. Tiens. Stupéfix! Ouais, je suis trop pressée de l'apprendre. Et tiens, j'ai des poules ça. Oula. Ouais. Bim. Toi t'essayes de m'agresser et autre. En plusieurs coups, moi en deux coups, je te fous au KO. Si, on faut pas un troisième. Hein. Ouais, déjà, je te fous au KO, hors ta gueule. Allez hop, dégage, troisième année. Mais j'ai gagné? Mais c'est de l'arnaque. Crac badaboum. Crac badaboum. Il me dit que ça peut enlever une bonne... Ouais, vas-y, c'est de la merde ton truc là. C'est elle qui prend. Alors, des pulsos. Alors, en fait, mes sorts, c'est potion Winglewed, des pulsos et Flupendo. Hein, sinon. Oh la vache! Oh là, elle a bien perdu.
Alors là, elle a fait défense. Alors, elle a fait défensive sur notre. Là, je pense qu'elle va être dans l'agressif. Hop, ouais. Bah, va lui lancer la fiole. De toute façon, pour le peu de temps qu'il lui reste. Récupérer. Mais. Oh, c'est. C'est de l'arnaque en fait ce truc là. Ça fait combien de temps? Ouais, va chier. Ouais, ça fait déjà 5 minutes de vidéo. Allez hop. Joindre Rick-Pick. Oh putain, j'espère que c'est pas un truc qui te désénergie parce que j'ai encore pété un câble. Harry Potter et les énergies, c'est un truc de malade. Dans le jeu, j'en ai utilisé 100 000. Approchez-vous, monsieur Gaming. Je ne veux aucun mal. Je ne vous veux aucun mal. Je me suis réveillée il y a pas longtemps, alors c'est pour ça. Comment pourrais-je faire du mal à quelqu'un qui s'est aussi bien occupé de mon précieux Nifleur? Qu'est-ce qu'on fait dans la classe de métamorphose? Où est le professeur McGonagall? Nous avons eu un différent. Un différend sur un sujet d'importance avec le professeur McGonagall. Elle a jugé bon de tourner les talons avant que la situation ne dégénère. C'est assurer la bonne décision. Qu'est-ce que tu veux? Ah, carrément, le mec, il. Carrément, non, c'est ce que tu veux, wesh. Mais t'as cru que c'était ta pote. Je vous avais promis la leçon privée, monsieur Gaming. Le temps est enfin venu. Ah, trop bien. Je veux vous aider à vaincre les acromantules, à ouvrir la cave maudite et à retrouver votre frère disparu. Comment avez-vous su pour les acromantules? Il paraît évident que rien ne m'échappe à Poula. Ne croyez-vous pas? Comme quand j'étais attaquée par un sorcier. Enfin, je veux pas voir le Voldemort et pas Harry Potter, donc voilà. Je suis au courant et j'ai mené une enquête, pardon, pour trouver le responsable. Putain, j'ai mis le doigt qui craque. Je vous conseille fortement de vous méfier de vos entourages. Comment pouvez-vous m'aider? Vous enseignant un sort adapté à une situation particulière avec Araignée Exhumée, vous repousserez les araignées. Oh, oh putain, trop bien. Le professeur Drillepot m'a conseillé de raisonner les araignées plutôt que les combattre. Aux yeux du professeur Drillepot, rien n'est plus cher que les créatures magiques au détriment de son bien-être. Et si vous tentez à vie et à vos extrémités, je vous suggère de prêter attention. Oh, je suis trop content, je vais enfin apprendre Arenia. Mais je crois pas que ce sera pour aujourd'hui, parce que déjà au niveau du temps de vidéo. Et la vidéo comme Halloween aujourd'hui, je voudrais que ça aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on va juste apprendre Araignée Exhumée. Et. Tant pis, fait chier ce club de duels de merde là. Bon, allez, à tout de suite. Alors, c'est bon normalement, mais. Voilà, c'est bon. Araignée Exhumée. Alors, il m'a utilisé beaucoup d'énergie, ce bordel. Et j'étais chercher toutes les énergies dans le château. Maintenant, beaucoup de pubs aussi, je me suis fait. Pas pressé pour lundi. Hein. Je présume que le professeur McGonagall ne vous a pas encore enseigné beaucoup de conjuration. Normalement, c'est pas ça en sort contre les créatures magiques ou défense contre ouais, je sais plus, bref. Comment?
Ce n'est pas important. Lancez le sort pour repousser l'araignée, monsieur Guigny. Araignée Hexume. What? Ouais, bah celui-là... Mais regarde, wesh! Ouais, je sais pas comment j'ai fait pour le faire. Hein. Oh, putain. Bien joué! Bonne chance dans la forêt interdite. J'ai oublié, monsieur Gaming. Quoi? Je vais avoir besoin de mon nifleur. Non! Merci pour ton aide, Pagayou. Ne vous en faites pas. Nous nous reverrons bientôt. Dans les cas contraires, il faut croire que nous ne sommes pas tous destinés à devenir les conjureurs de sorts. Chapitre 14 terminé. Le repère de l'araignée. Chapitre 5. Secret obscur. Vous êtes prêts à affronter des araignées géantes, mais vous devez convaincre Hagrid, coincé dans sa cabane, de vous accompagner. Quelqu'un cache un terrible secret. Bon, bah... On n'aura pas fait grand-chose aujourd'hui, hein. Bon, allez. Pique, vif et redressement. On vole. Ouais, une nuit d'énergie aussi. Une énergie, wesh. Même pas. Ah, ça vient, je suis monté à 38 ans. En diamant. Et la quête de Tonks, c'est quand qu'on peut la faire? Non, parce que demain, non. Non, demain, on est là, Toussaint. Ou sinon, je peux déjà commencer. Si je l'attends demain, je finis vendredi et elle sera sortie vers... Vendredi... Oh putain, il faut que j'aille me recoucher. Vendredi soir et... Vendredi soir ou samedi matin. Bon, en attendant, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour d'autres jeux. Parce que là, j'ai fait une vidéo Minecraft. Il faut que je fasse une mise à jour logicielle sur ma tablette. Donc du coup, elle sera pas avant cet après-midi, je pense, sur la chaîne. Le montage est déjà fait, mais il peut pas marcher quand je mets Minecraft tout machin. Et vous abonner. Et en attendant, moi et la team, vous voulez vous remercier pour vos 34 ou 35 abonnés. Salut Stevens Gaming. Ciao.